Tibère et Romuald de Anne Jonas et François Crozat. L'histoire est un peu longue, hein. Donc préparez-vous bien, installez-vous, c'est parti. Romuald était un jeune souriceau aux moustaches mal peignées, à la longue queue et aux idées un peu courtes. Depuis sa naissance, il vivait dans le trou de la bibliothèque et s'y ennuyait, car il lui était interdit de jouer avec les autres souriceaux de la maison. Sa mère et son père lui répétaient constamment « Ne mets pas le bout de ta queue dehors, ne la perds jamais de vue, même quand il fait noir, même quand il n'y a personne, même quand tout est silencieux. » Tout ça à cause de Tibère, Tibère, le chat de la maison que Romuald n'avait d'ailleurs jamais vu. Romuald l'imaginait comme une sorte de souris monstrueuse, avec des pattes beaucoup plus longues, des dents comme des couteaux, des griffes comme des fourchettes, et une serviette toujours nouée autour du cou, puisqu'on lui avait dit qu'il avait une grande tache blanche sur le devant. Le jour du nouvel an, les parents de Romuald partirent en expédition pour souhaiter la bonne année au cousin du grenier. Avant de refermer la porte, ils lui firent de nombreuses recommandations. « Surveille bien ta queue, dit encore maman. Nous serons de retour ce soir. » Sois bien sage. Romuald les regarda s'éloigner puis rentra au fond de son trou. Il se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire jusqu'au soir. C'est alors qu'il regarda dehors. Personne. Pas le moindre bruit. Il hésitait. Et puis, tout à coup, il se décida à sortir. Il était si petit que Tibère ne le verrait pas, ne l'entendrait pas, ne le sentirait pas. Il regarda autour de lui et apprit ce qu'était la hauteur, le vide et la solitude. Subitement terrifié, il escalada les rayonnages de la bibliothèque et courut se réfugier derrière les grands livres alignés sur une étagère. Il resta un moment dans la pénombre de ce petit couloir, puis décida de rentrer chez lui. Ne trouvant plus la sortie, il posa ses deux petites pattes avant sur la tranche d'un livre et poussa très fort. Le livre se mit à glisser, d'abord tout doucement, puis il bascula et tomba dans un bruit énorme. Oh ! Romuald resta quelques secondes pétrifié, les yeux fermés. Il était sûr que le bruit avait réveillé tous les Tibères de la terre et qu'ils allaient tous se précipiter pour le manger sur l'étagère. Malgré sa peur, Romuald descendit de son perchoir et s'approcha du livre qui s'était ouvert en tombant. Il l'observa et vit de drôles de petits insectes noirs aux pattes fines, alignés en rang identique et très sages sur le papier blanc. Romuald voulut renifler le livre. C'est alors que celui-ci se referma brusquement en lui coinçant les moustaches. « Je n'aime pas qu'on me jette par terre. » « Je dormais depuis des années. Tu m'as réveillé et tu m'as fait mal. »« Mais tais-toi donc, dit Romuald. Si Tibère t'entend, il va venir te manger. »« Que tu es bête. On ne me mange pas, moi, je n'ai rien à craindre. » Romuald regardait le livre sans comprendre à qui pouvait bien servir cette chose étrange qui parlait et qui ne se mangeait pas. De nouveau, il renifla le livre. Et subitement, juste pour vérifier, il voulut planter ses petites dents pointues dans la couverture. Le livre poussa alors un cri de livre qui ne ressemble à rien d'habituel et lui dit « Attends, je vais te raconter une histoire. Moi, on me mange avec les yeux, mais comme tu es petit, tu vas m'écouter. » Romuald, saisi d'étonnement, tomba à la renverse. Mais quand il entendit parler d'histoire... Il s'assit bien sagement, la queue entre les pattes, comme s'il était à la maison avec maman. Il était une fois... Romuald coupa la parole du livre. « Oh oui, celle-là, je l'aime bien !» Mais le livre continua sans s'interrompre et raconta une histoire comme Romuald n'en avait encore jamais entendue. Cette histoire ne parlait pas seulement de souris, de chats et de bibliothèques. Elle parlait de rivières, de mer, de montagne, de forêt et de dragons verts. Et Romuald comprit ce qu'étaient ces choses qu'il n'avait jamais vues. Il avait chaud, il avait froid, il était heureux, il avait peur, il riait. Il sentit même une petite larme qui roula de ses yeux et glissa le long d'un poil de ses moustaches. Les pages tournaient doucement devant lui à mesure que l'histoire avançait.
Il était impatient de connaître la fin, mais n'avait pas envie que le livre se referme. Lorsque la dernière page tourna, il était tout à la fois triste et heureux, comme au soir de son anniversaire lorsque tous les invités sont partis. Il ne lui restait plus que ses cadeaux au moment d'aller dormir. Voilà, lui dit le livre, je t'ai raconté l'histoire de mes pages. Si tu m'avais mangé, tu n'aurais rien su, rien entendu, rien appris. Si tu avais mangé ne serait-ce qu'une seule de mes pages, tu n'aurais plus rien compris. Tu es resté longtemps à m'écouter. La nuit est tombée, tes parents vont rentrer, il faut retourner chez toi, mais reviens me voir souvent. Romuald dit au revoir au livre et rentra dans son trou tout étourdi, la tête pleine de soleil, de forêts et de dragons. Ses parents rentrèrent tard et le trouvèrent au coin du feu. Tu as un drôle d'air. Tu n'es pas malade au moins, s'inquiéta maman. Romuald ne répondit pas et demanda si Tibère avait peur des dragons qui vivent au fond des forêts, dans les cavernes où il fait toujours nuit. Mais papa, regarde, maman regarde à papa qui leva les yeux au ciel. C'est une indigestion. Il a encore trop mangé. Chaque fois qu'on a le dos tourné, c'est pareil. Cette nuit-là, Romuald fit des rêves si beaux qu'au matin, il fut triste de se réveiller. Sa maison lui semblait maintenant trop petite pour un dragon. Il décida de partir. Il courut très vite sur le tapis et se retrouva bientôt là où il n'était encore jamais allé. Soudain, il eut envie d'aller voir ses cousins du grenier. Il savait qu'ils habitaient le premier trou de souris à gauche de la dernière marche de l'escalier. La queue bien droite au-dessus de lui, Romuald avançait lentement. Le moindre bruit le faisait sursauter. Il savait qu'il était en train de désobéir et que ses parents allaient être très inquiets et le chercher partout. Lorsqu'il arriva à la dernière marche, il siffla tout doucement et dit « C'est moi, Romuald, le cousin de la bibliothèque !» Aussitôt, quatre paires de moustaches apparurent. Romuald, tout content, s'approcha de ses cousins quand il vit, dans leurs petits yeux noirs effrayés, le reflet d'une grosse bête aux dents comme des couteaux. Tibère, qui avait déjà posé sa patte sur la queue de Romuald, lui dit « Tu es bien petit, souriceau, je pourrais presque hésiter à te manger. Tu ne calmeras jamais ma faim. » C'est alors que Tibère vit briller les yeux des cousins qui se terraient au fond de leur trou. « Ah, mais tu n'es pas tout seul, voilà qui change tout, je vais commencer par toi. » Alors, Romuald, voyant s'abattre sur lui l'autre patte de Tibère, trouva le courage de dire d'une voix forte et décidée « Attends Tibère, je vais te raconter une histoire. » Tibère, tout d'abord surpris, puis amusé, lui dit « Comme tu voudras, souriceau, j'ai le temps. Mais parle fort, mes oreilles sont hautes et dès que je cesse de t'entendre... » « Je te croque !» Alors, Romuald, reprenant espoir, se mit à raconter l'histoire du dragon vert. Il n'oublia rien, se souvint de tout. Petit à petit, à mesure qu'il racontait, il sentait la patte de Tibère se faire plus légère sur sa queue. Puis Tibère s'installa plus confortablement et finit par se coucher devant Romuald en rentrant sous lui patte et fourchette. Les cousins, qui n'entendaient pas bien l'histoire, s'avancèrent jusqu'à sortir leur museau hors du trou. Et l'histoire continuait, et Romuald, qui sentait sa faim se rapprocher, inventait de nouveaux épisodes. Pendant ce temps-là, les parents de Romuald avaient prévenu toute la famille de la disparition de leur fils. Les cousins de l'entrée, ceux de la cuisine, ceux de la salle à manger, ceux du salon, ceux du garage et ceux des chambres du premier étage avaient fouillé la maison, mais sans résultat. Tante Irma dit que le dernier espoir était de monter au grenier. Quand ils arrivèrent sur la dernière marche, ils étaient 40, toute la famille au grand complet. Et là, ils virent quelque chose que l'on n'avait jamais vu de mémoire de souris. Un petit souriceau aux moustaches mal peignées qui racontait une histoire de dragon vert à un chat énorme qui ronronnait en fermant les yeux. La maman de Romuald ne put retenir un cri en voyant son fils près des griffes et des dents de Tibère. Celui-ci ouvrit un œil et regarda ses 40 souris tremblantes, perché sur la plus haute marche de l'escalier. Tibère dit simplement « Chut ! Asseyez-vous et taisez-vous. Le premier qui fait du bruit, je le croque. » Et Romuald, faisant un clin d'œil à toute sa famille, continua à raconter sans s'arrêter, inventant de nouvelles histoires qu'il enchaînait les unes aux autres. Depuis, Tibère est un peu pénible. Il faut toujours lui raconter de nouvelles histoires, surtout le soir pour l'endormir. Romuald l'a même surpris en train d'écouter la radio en cachette. Et les souris, elles,
sont toutes venues emménager dans la bibliothèque où toute la journée, elles dévorent des livres.